un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps.
la guerre, on le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. T'as de la chance là. Chance. Voilà, comment on reconnaît si le foin est bien sec pour être pressé ou pas? Bah quand il est vert clair, tu vois. Oui. Là il est sec. Par contre, t'as d'autres bruns, tiens comme celui-là. Il est trop vert. Il est vert foncé. Toi, tu croques comme ça ou même avec les dents. Ouais. Et il va pas. Tu sens un peu le. Tu sens que ça, c'est pas le même croquement qu'un oui, brun oui. Tout sec de dessous, donc tu vois qu'il y a encore un peu de sève, mais bon, ça va se finir et dans la botte. Ça ira, ça se garde. Oui. Si. Alors, faut pas que ça soit qu'il y en ait trop, parce qu'après les ballots sont collés. Donc là, après, non, ça va pas. Bon, là, ça va plus du tout. Là, ça va plus du tout. J'ai compris. Il reste un petit peu de fraîcheur dedans. Des fois, en travaillant, la botte, t'as un petit bout de tabac, il devient un peu marron. D'accord. Hein, par contre, ça fait la petite grande. Mais c'est pas évident à arriver tout poil au niveau
Alors, j'ai pas encore vu le numéro de cette nouvelle presse, donc c'est la mise en route. C'est la 864. Une 864. Je vais prendre le numéro, une photo. Dis donc, ça brille. Alors, je suis allée pour le foin-foin, le Saint-Foin, là. Mais le Saint-Foin, ils ont... Alors j'ai dit, bon, bah tant pis, ils n'ont pas trop voulu, alors j'ai pas filmé. J'avais fait l'année dernière, j'avais fait le Luzerne. Ils en ont un nouveau ? Alors... Elle va bien, c'est la mise en route.